Quand nous causons le secteur touristique, souvent nous pensons l'hôtellerie comme le cœur, le poumon de ce secteur-là. Et c'est bien travailler dans ce secteur-là qui amène, qui fait de Maurice une référence mondiale. Alors, une quelque chose qui souvent nous pas causé, c'est l'hôtel lui-même, le bâtiment. Et aujourd'hui, dans l'émission Héros des Yéridos, nous parlons à la rencontre de Jean-Marc Tang. Jean-Marc Tang, c'est un architecte qui fait une design, qui fait une dessine sur l'hôtel que tu étais aujourd'hui là, c'est le Lux Le Monde. Et il fait aussi dessine beaucoup des autres hôtels dans le monde entier. Il est connu partout dans le monde parce qu'il fait un travail à l'étranger. Donc, à la rencontre de Jean-Marc Tang, architecte. Jean-Marc, merci beaucoup qu'il fait capable de rejoindre nous. Nous mettons en avant un Mauricien qui fait une réussite dans ce secteur touristique-là. Alors, Jean-Marc, ou un fils du sol, ou fin né dans Maurice, ou fin grandi dans Maurice, ou fin faire l'étude dans Maurice, raconte un petit peu sa période-là, comment fin passé pour vous. Ouais, moi, j'ai grandi Maurice, moi, j'ai grandi pour lui, une famille sino-mauricienne. Et nous étions à l'école l'Indé ensemble, et vous me disiez, nous étions à l'école Saint-Esprit. C'est donc en collège, et moi, j'ai fait mon collège jusqu'à 18 ans. Collège Saint-Esprit, et tout ça à l'époque-là, moi, je suis bien passionné d'art. Je suis content de faire art, et moi, je suis content de faire un tableau, que du monde revive une histoire d'un tableau. C'est tout ma passion. Et c'est en l'année 89, moi, je suis lauréat. Et moi, j'ai gagné la chance d'aller étudier en Angleterre. C'était à cause de ça, en Angleterre, moi, j'étais à Nottingham University, pardon, pas étudier. Et après, moi, je fais l'étude en architecture. Et après mon étude, je travaille 8 ans en Angleterre. Et après l'Angleterre, je me suis mouvé à New York. Je passe mes 16 dernières années à New York. Et c'est là que je me suis vraiment spécialisé dans la conception et design de l'hôtel. Je travaille beaucoup dans l'hôtel, dans le restaurant, dans le bar. On appelle ça hospitality industry. Tout bon l'espace qui quand tu as un invité venu et tu me fais te sentir un accueil. Mm-hmm. Mais c'est un domaine bien spécialisé ça. Oui, et c'est bien spécialisé parce que c'est pas vraiment architecture comme un bâtiment. C'est qui te fait, c'est te créer un environnement. C'est l'environnement qui fait du monde là vraiment sentir qu'il est accueilli. Pas ça. C'est l'environnement là. C'est pas que bâtiment. C'est l'atmosphère. C'est la lumière. C'est l'odeur. C'est comment nous planifier un endroit côté du monde, nous interagir avec chacun de nos camarades, nous assister, comment nous sentir, nous, comment nous faire du monde content et comment un hôtel, c'est comment nous travailler ensemble dans l'hôtelier, comment nous faire service. Et en fin de compte, c'est pas seulement une affaire physique, c'est une affaire plutôt émotionnelle et l'environnement qui est vraiment personnalisé. Alors, exactement. Qu'est-ce qui fait toi, justement, décide de sortir dans le traditionnel, l'architecture traditionnelle, pour rentrer dans un secteur très spécialisé. Oui, c'est ma passion, c'est vraiment c'est le sentiment, c'est l'émotion qui te gagne quand on rentre dans l'espace. Et pour moi, c'est la raison qui fait me rentrer dans cette profession-là, c'est que c'est vraiment mon focus, c'est le end user, et j'ai envie vraiment qui te cave, créer un sentiment, une émotion avec mon end user. C'est ça qui vraiment qui drive. Ce n'est pas vraiment c'est l'abstract du bâtiment, c'est plutôt l'environnement. Et c'est ça, et l'hôtellerie c'est bien parce que c'est vraiment, tu gagnes ça dans tout détail, dans tout petit détail, c'est important. Dans tout le monde possible. Exactement, exactement. Alors, est-ce qu'il t'en rappelle le premier dessin qui te fait faire dans le domaine hôtelier, le premier design qui te fait faire? Oui, plutôt, mon premier design que je fais dans l'hôtelier, c'est plutôt un tableau. Vraiment, tu peux faire même à Maurice, je me rappelle mon dernier mot en forme 6. C'est mon main subject, c'est que je prends une nouvelle, Namasté, ces histoires-là, mais j'ai envie de recréer un tableau. C'est qu'on dit vraiment, put in the moon, in the moon, get mon tableau. Vraiment, tu rentres dans ce tableau-là, tu te sens dans l'environnement-là. Ça, moi, je veux dire, même les patins de l'hôtel, mais pourtant, il dit créer ça dans l'environnement-là. Mais pour répondre à ta question, dans le premier hôtel, mon premier hôtel, moi, tu fais, et c'est ça, moi, je finis avec Maurice, et c'est mon premier hôtel, c'est un point d'un l'île. C'est en fin de compte une île en Grèce, une île appelée Mykonos. C'est une île bien connue internationalement.
tout le monde jet-setter, soit du Brésil, en France, de venir dans l'île. Et c'est une île qui est vraiment, c'est une affaire bien jolie. À soir, c'est vraiment, c'est une partie, c'est une petite boutique hôtel multifère là-bas pour un petit opérateur. Et sur clientèle, c'est tout le monde fashion designer, tout ça là. Mais ouais, c'est mon premier hôtel, c'est un petit boutique hôtel dans Mykonos, en Grèce. Est-ce que ça a été un challenge pour toi, ça premier design que tu as besoin de faire pour un hôtel déjà de classe, mais besoin d'un endroit? Est-ce que c'est un challenge pour toi? Parce que quelque part, comme tu dis, il y a un domaine très compétitif, ça. En fait, il n'y a pas de challenge, parce qu'avant, moi, tu fais ça à l'hôtel-là, moi, tu fais involve beaucoup, faire un restaurant, un nightclub, c'est moi, vraiment, you know, passe 5 à 6 ans, voire même immerse dans l'hospitality industry, c'est l'espace exploité, parce que c'est vraiment comprendre comment tu crées l'environnement, mais même quand tu fais une conception de l'ensemble, il y a beaucoup de technicalités que tu as mettre dans le côté ergonomique, côté service et tout ça. Et c'est une affaire émotionnelle, mais aussi vraiment technique qui t'a besoin. Hein. Ça démontre dans ce bagage-là déjà. Mais est-ce que tu tiens un autre bagage? Par exemple, toi, tu es un Zilouan, un Néloan. Nous connaissons un petit peu comment ça. Est-ce que ça aide toi dans ce que tu peux faire? Comme tu es à l'université, même dans mon travail à New York, comme un architecte et un interior designer, c'est vraiment, c'est ma mission, c'est que c'est to prove myself. C'est prove myself qui compte, parce que meilleur que les autres compatriotes qui sont dans mon grand pays, mon grande cité. Ça, c'est mon challenge. C'est, enfin, c'est le fait qu'il y ait une de moi, sa motivation, qui me, I can be as good or if not better than anyone else. So, ça c'est mon drive. Et moi, je crois, côté Zilois, c'est peut-être c'est le côté qui est vraiment bien conscient de l'environnement. Et tu, vraiment, quand tu designes une affaire, tu vraiment designer de toi-même. Alors, de boutique hôtel en Mykonos, tu fais une fête chemin. Raconte un petit peu jusqu'à quand ça t'en allait à l'international avant de retourner. Exactement. C'est quand on fait boutique hôtel dans Mykonos, c'est enfin comme tu peux travailler avec David Rockwell. David Rockwell en New York, c'est lui-même un de mes plus grands architectes interior designers dans l'Amérique. Il fait tout un grand hôtel, un grand restaurant. Mais ça tient une grande opportunité parce qu'il m'a réussi à prouver avec David qui vraiment me capte prendre un projet, moi me capte faire sur une conception. Et ça me demande marre bon exposure. Avec tout un grand hôtelier, un bon restaurateur qui m'ont travaillé. C'est mon gain d'occasion de travailler, for instance, et il y a une chaîne de restaurants appelée Nobu, même si le premier restaurant fait japonais. Et c'est l'investisseur, non, c'est Robert De Niro. C'est vraiment, quand tu travailles dans New York, tu trouves tout un grand niveau de célébrité et tu travailles vraiment, et vraiment, tu gagnes ça l'expérience, ça expertise vraiment, cause aux autres, comprends comment d'autres pensent. C'est Nobu, nous fait un restaurant pour Robert De Niro, après ils ont fait un hôtel, nous fait un hôtel pour lui. Même une petite histoire un peu politique, c'est à l'époque-là, Donald Trump, si on vit, fait un hôtel downtown New York, plutôt à petit New York. On travaille bien sur Tiffy Ivanka, ça dépend là, fait un hôtel en New York pour Ivanka. Et même c'est. Later in my career, c'est ça dire, moi aussi, je travaille beaucoup dans le nightclub. C'est Randy Gerber, lui-même, c'est le mari de Cindy Crawford. Ça dépend. C'est vraiment l'opportunité que j'ai gagné à New York. C'est vraiment, tu gagnes. C'est les tout bonnes grands immunes, les grandes célébrités qui vraiment ont envie de faire des affaires super cool. Et tu gagnes. De l'ordinaire. Exactement. Et moi, je fais travailler beaucoup pour David Robert, ce designer-là. Et les temps, je fais ma réputation comme un designer qui peut travailler dans tout ce bon créneau-là. Et mon gagne un appel de Richard Branson, ça à l'époque-là, parce que Richard Branson est un Virgin, mais il a envie de créer un concept d'hôtel pour Virgin. Et il connaît une tonne de parler, qui m'a travailler dans son bureau-là. Et mon gagne travail, qui est vraiment un créatif directeur pour Virgin Hotel. Et moi, tu gagnes, quand on commence à Richard, c'est. On me dit, qu'est-ce que ça veut dire Virgin Hotel? Viens nous créer ce concept-là, nous créer sur la chambre. Qui veut un hôtel, comment je suis là, ça peut être. Et mon créé premier hôtel pour Virgin Hotel, pour Richard Branson, c'est ça. Et là, qui est vraiment passé dans l'hôtel. Et après ça, et tout récemment, moi, 6 dernières années avant ma vie de Maurice, je travaille avec Ian Schrager. Ian Schrager, c'est un du monde dans le milieu de l'hôtellerie et même dans le milieu du design.
est vraiment connu. C'est la personne qui vraiment a créé le boutique hôtel dans le monde. Avant, tu vas à l'hôtel, c'est vraiment, you know, conventionnel. C'est les mêmes qui créent le concept de boutique hôtel. Et c'est un grand du monde bien respectable dans l'industrie. Et la chance qu'ils m'ont gagné, c'est après Virgin, c'est une invite moi pour travailler en ligne, pour créer un nouveau concept d'un nouveau produit pour l'hôtel. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils travaillent avec Marriott. Marriott, c'est une grande compagnie d'hôtel. Et Marriott, ils ont envie de créer un nouveau produit, 5 étoiles. Mais c'est un hôtel 5 étoiles qui est plus moderne, plus à la mode et plus current pour qu'il y ait un nouveau luxury market qui peut rôder. Et nous avons créé ça, un nouveau concept d'hôtel appelé Edition, Edition Hotel, avec Ian. C'est là, moi, tout ce qu'on apprend dans l'hôtel, c'est mon cadre de toi, c'est là, 60%, c'est à travers un génie comme Ian. C'est nous fait, ces 8 dernières années là, on a ouvert un 8 hôtel avec Ian. Un peu dans le monde, c'est mon job, énormément. On a ouvert l'hôtel Dubaï, Mexique, Turquie, Singapour. C'est le fait qu'il travaille depuis New York, c'est quand tu travailles dans l'hôtellerie, dans 10 ans d'hôtellerie, tu veux travailler internationalement et tout le monde que tu veux faire, c'est vraiment international. Super. C'est mon dernier hôtel que je fais avec Ian, c'est un hôtel luxury, directement Low Times Square. C'est ça, un grand projet que je veux faire et c'est pour moi, c'est après ça, projet que je veux faire avec Times Square, avec Ian, c'est vraiment après ça. Bonne santé, comment dire, moi tu viens de tu break. Mais justement, vous pouvez jouer à ça parce que beaucoup de Mauriciens qui gagnent l'expertise à l'étranger, certains gagnent ça l'appel pour retourner Maurice. Est-ce que tu gagnes ça l'appel là, toi? Oui, avec de tout temps. De tout temps, quand même, en tant que lauréat, quand tu quittes le pays, tout le temps, moi tu as un sens qui. I have to pay back in some ways. Mais tout le temps, je ne sais pas comment vous faire ça. C'est pour moi, c'est mon priorité, c'est plutôt. C'est gagner l'expérience. Vraiment, moi, tu viens apprendre. Et tout le temps, c'est mon cheminement que tu fais depuis Londres et New York. C'est vraiment, c'est non-stop learning, non-stop absorber, immersive. Et tout le temps, c'est un challenge. Moi, tu trouves, mon rencontre de nouveau du monde, rencontre de nouveau une célébrité, rencontre de nouveau projet. Pour moi, c'est tout le temps, c'est un challenge. Et le temps passe vite. Le temps, tout le temps, tu peux occuper, faire tout ce genre de projet-là. Et c'est comme ça. Moi, je passe 30 ans. Des hauts, fais tout ce genre de projet là. Mais arrive mais tout le temps, à the back of your mind, tout le temps, je te dis, mais tu as envie un jour, si tu as l'occasion, au moins, expérience Maurice, et surtout quand on quitte Maurice, et mon quitte, c'est mes parents comme Maurice, mes séances comme Maurice, ma famille comme Maurice, et tout le temps, c'est à the back of your mind que tu as envie Maurice. Mais quand tu es involved, quand tu travailles bien, bien, bien dur, et jamais tu n'as le temps pour penser. Et mon lave, c'est bien, mon voyage tout le temps, tu vraiment, vraiment pas gagner de temps. Mais pour moi, un petit déclic, c'est qu'il faut être un midlife crisis, un petit affaire. C'est vraiment arrivé le moment, et surtout pour moi, c'est mon gain d'enfants pétard, mon gain mon petit garçon, des jumeaux, ils ont 7 ans. C'est vraiment même les facteurs pensés qui vraiment, tu m'aimes tes enfants, comment tu as envie de grandir, les cas grandir, les New Yorkers, ou ça, tu as envie. Tu as envie de chier sur l'expérience d'enfance qui m'a mené là. C'est un environnement bien plus simple et moi je suis content. C'est back to your case de Zilois. Un Zilois pour moi, c'est to gain la vie simple. Mais un Zilois aussi passe tous les temps rêver quand il a voyagé pour expérience d'un affaire plus grosse. C'est quand il donne-toi une motivation. Toi, c'est qui te file passer. Exactement. Et moi j'ai envie qu'il donne aux enfants l'opportunité de rêver. Et c'est à cause de ça, c'est vraiment, et après mon finissé à faire son grand hôtel Times Square là, je pensais que c'était une window opportunity. Et je pas envie d'attendre plus longtemps, parce que je n'ai pas envie de retourner Maurice. Absolument. Exactement, c'est mon force, moi, pour Ville Maurice. Alors, toi, Ville Maurice, tu n'as aucun projet. Non, je pas un projet. Et comment tu finis involve toi pour gagner un projet, pour capable design, et nous prendre l'exemple de ça, l'hôtel là, mais tu finis design, les autres hôtels aussi à Maurice. Exactement. Raconte-nous ça, l'expérience. C'est pour moi, c'est en fin de compte, étant motivé de Maurice, c'est moi, c'est un petit sabbatical, un break. Et moi, c'est un petit terrain Maurice. Mon seul projet que je tiens à Maurice, c'est construire la case Maurice. Je suis venu Maurice, mais en fin de compte, comme tu connais ma passion, c'est dans l'hôtellerie. Je prends mon premier mois pour comprendre le marché de l'hôtellerie, continuer dans l'hôtellerie. C'est même gagné l'occasion vraiment à la rencontre des trois chefs des autres compagnies. C'est mon vraiment cause aux autres, je vraiment comprends l'hôtel. Et c'est là que je comprends, c'est vraiment. Et
Maurice faisait bien beaucoup d'être dans le domaine de l'hôtellerie parce qu'il commençait vraiment nous prendre vraiment progresser dans façon qui nous fait progresser. Tout dans... Peut-être qu'il nous fait prendre en considération que ben, l'hôtel qui vient de construire, Maurice, la grande majorité fait une design pour un étranger. Un étranger. Moi, la façon de me trouver, c'est le côté design, mais c'est le côté du produit aussi. Parce qu'en fin de compte, c'est la plupart des produits de l'hôtellerie, c'est plutôt c'est un pour les resorts que tu venais, tu restes dans en quatre mirailles, tu restes une semaine, tu réalises. Et de plus en plus là, tu gagnes beaucoup de différents formats de l'hôtellerie que tu as. Quand tu as beaucoup d'interactions ben local, ben étranger ensemble, tu as ben l'hôtel un peu plus ouvert dans la nature. Tu as vraiment beaucoup de façons de faire l'hôtel en ce moment. Et c'est ça qui est vraiment OK, c'est comment dire, c'est que tu as besoin vraiment d'une innovation dans l'hôtel. C'est à cause de ça, et coming back to, c'est à cause de ça, mais en fin de compte, et tout le monde, Maurice, mais tu as besoin de rencontrer Paul Jones. Mais Paul Jones, c'est vraiment un domaine novateur. Un pionnier dans l'hôtel. Exact, dans l'hôtellerie. C'est à cause de ça, c'est comme ça, comment mon univers va l'ox. C'est mon récit rencontre contre Paul Jones, qui a un bon déclic à lui. Vraiment, je me senti qu'il est dans une même longueur d'onde. Exactement. C'est à cause de ça que nous avons un déclic et vraiment reconnaissant Paul Jones qui vraiment nous fait confiance en moi. Et comme le monde là, c'est en confinement. C'est un hôtel tout le temps bien busy, parce qu'il a vraiment des temps de faire une rénovation. Et dans le confinement, c'est une petite occasion dans quelques mois de bien faire une rénovation. Et c'est un grand challenge parce qu'il nous tient vraiment un petit temps. Nous croyons que nous pourrions ouvrir en septembre. Nous tenons un petit temps et vraiment, et tenons aussi, c'est uncertainty, ne pas se connaître combien de grâce je tiens pour dépenser. C'est le challenge, c'est comment dire, comment tu vas faire des affaires de magique d'un petit temps et d'un petit budget. Et c'est ça, c'est le challenge de Luxe Monde qui nous tient bien faire. Et tu aimerais ici avec brio. Exactement, et j'espère que tout le monde, c'est ça, que tout le monde est bien content et les propriétaires. Et plus important, c'est les travailleurs. Et les travailleurs eux-mêmes, je suis bien fier que finalement, ils ont gagné une rénovation, un projet qu'ils ont fait, de contents. Alors, ce n'est que le début pour toi, là, Maurice. Ça veut dire que normalement, les autres projets exactement. Qui te paient le travail. Les autres projets maintenant, c'est à travers Luxe aussi, on peut faire un travail, un nouveau concept pour Paul Jones, un nouveau concept d'hôtel. C'est un hôtel pour une plus urbain et les moins résorts. C'est un nouveau, c'est comment motiver le cause toi, c'est différent. Nous avons exploré différents formats de comment nous faire l'hôtel et l'hospitalité. C'est mon pays en ce moment, mon travail concerne différents formats pour Luxe, pour un autre carte de l'hôtel. On va découvrir ça après. Exactement. On va découvrir ça après. Mais quand tu peux design quelque chose plutôt la terre natale, oui? Est-ce qu'il y a une certaine fierté à l'intérieur et une motivation pour mieux faire, pour faire encore bien plus? Plutôt qu'à vraiment là, te sentir toi qui te disant quelque chose pour te payer. Exactement, exactement. Parce que c'est une affaire bien plus personnelle. Quand tu travailles pour une multi-corporation, il y a une affaire professionnelle. Quand tu fais pour te payer une affaire, il y a une affaire plus personnelle. Et surtout que mon travail a beaucoup moins sain. Et tu sentis une plus empathie envers tes compatriotes, le travail moins sain qu'on fait. Le grand challenge qui m'a mené à Maurice, c'est comment nous pouvons faire un niveau de qualité internationale que moi, habitué à faire à l'étranger et comment tu gagnes ce même niveau de produit-là à Maurice. C'est l'acte réalisé, c'est un niveau, comment dire, même nous avons l'industrie de construction, même nous avons craftsmen, et un niveau de training, de learning, of a trade pour gagner ce niveau que tu expectais dans un luxury resort. Et c'est ça un challenge qui m'a content travail. Ben grandisseur, travaille au Dimoun qui fait me bretin. C'est un partage des bonnes skills qui moi me comprend comment mon travail au ben grandisseur, comment nous faire les pour faire ça dans la bande d'état nous qu'à faire là. Mais est-ce que tu trouves que ça m'a notisant là et non, ça niveau de professionnalisme qui est capable de matcher ce qu'il y a à l'étranger? Afin que je n'ai les skills, for sure, je n'ai les skills, c'est que je. Et l'enfant pendant, c'est une question de formation. C'est une question de formation si tu as un exposure de un master, comme un grandisseur, si tu as un exposure de master grandisseur. C'est des trois tricks que tu as apprendre au maître craftsman, que tu as retourné à Maurice et redéployer ça. Et moi, je gagne la chance vraiment et travaille comme, pour un exemple, ça, chez Rotterdam.
C'est Reza sur un petit atelier pointe au sable. Il fait tout ça en mégroplin à la main. Et c'est moi, c'est une occasion, c'est pour moi, c'est mon dessin. C'est un meuble rotin qui est tout le temps dans la cour, un sofa rotin qui me suis trouvé traditionnel dans la cour. Mais j'ai envie de donner une forme moderne. C'est pour moi, mon challenge, c'est comment dire comment je ramène mon création moderne. Et je m'explique ça dans un artisan rotin qui fait des affaires traditionnelles et nous fait des affaires de nouveau. Je te fais des affaires de qualité. Exactement. Alors, ton parcours, nous indiens, n'est pas un parcours que tout le monde fait. Un parcours bien, on appelle atypique. Tu fais une étude Maurice, tu finis à l'étranger. Une affaire qui te répétait à plusieurs fois, c'est que ça frottement avec un étranger est très important, même pour travailler à l'hôtel mauricien. Et quelque part, sa formation-là est de plus en plus disponible. Exactement. Un mauricien capable de travailler à l'étranger et retourne Maurice. Plutôt, est-ce qu'il est important pour la progression de l'industrie touristique? C'est super important. Pour moi, mon motto, c'est think local, but you have to keep a global outlook. C'est plutôt. C'est danger, sometimes the danger, c'est tu peux tellement penser local et t'oublier sur la facette de influence du global qui t'a besoin. C'est, pour moi, c'est tout le temps Maurice, c'est ça. Maurice, c'est l'influence de différentes cultures ensemble. Et Maurice peut changer à cause de beaucoup de l'influence des immigrants qui continuent à vivre Maurice. C'est ça dialogue qui t'en a avec l'étranger. Un international, c'est comme un expatrié, un sud-africain, un français. Mais sa friction qu'il a, c'est vraiment important pour Maurice, pour développer son identité, pour créer une affaire de nouveau et pour rester à un niveau qui nous vient rester. Très bien. Alors, pour terminer, raconte-nous, quand tu as fini de dire, tu as un collègue quand tu travailles à l'étranger, qui est un Mauricien. Quelle a été la réaction de Saman Dimoun là quand tu dis qu'il est sorti d'un petit pays comme ça, l'Oma, pour Maurice? Est-ce que tu déjà connais que Maurice était première? Non, je ne sais pas. Je connais mon figure, je connais mon Malaisie, je connais mon sorti d'Afrique. Je vais dire mon même africain. Oui. Et oui, c'est géographiquement, à part qu'il y a du monde qui connaît que Maurice est une destination touristique, et beaucoup du monde parle vraiment. Est-ce que Maurice. C'est une bonne réaction de trouver un Mauricien peut faire quelque chose aussi c'est, bien que ça? C'est une bonne réaction et la magie pour moi aussi, tout mon travail c'est dans mon travail dans ma grande ville, comme à Londres, mon travail comme à New York. Et la grande chose quand on travaille dans un grand pays comme à New York, c'est vraiment quand tu sors, il est presque irrelevant. C'est qui te fait. C'est votre output qui est important parce qu'en fin de compte, quand on arrive de New York, là, du monde sont de n'importe côté. New York, là, du monde de tout. De toute façon. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est le fait qu'ils sont de Texas, soit le fait qu'ils sont un type de Comoris, soit le fait qu'ils sont de Londres, il est presque irrelevant. C'est vraiment. Et c'est toi et toi qui t'as apporté dans ton travail, c'est ça qui est apporté. New York, c'est le Global Village. Exactement. C'est personne qui est intéressé vraiment quand tu sors, c'est qui te peut faire. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc, qui te fait un partage avec nous dans ce petit moment-là de l'expérience. Toi, bon courage merci, pour la suite. Merci. Et merci encore une fois. OK, pas de problème.